Hello, oh, ça fait vraiment trop bizarre. C'est la toute première vidéo que je filme. Ce sera la deuxième que vous verrez, je pense. Mais c'est voilà, en tout cas, le premier vlog que je filme depuis déjà pour cette année 2020 et même en règle générale depuis le mois de septembre, voire août. Donc vraiment, ça remonte trop. Ça m'avait trop manqué de vlogger, d'avoir la caméra et de pouvoir vous raconter un peu mon quotidien. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, si vous me suivez pas, je vous mets le lien, enfin mon pseudo Instagram dans la barre d'infos. Je suis actuellement, bah, comme tout le monde en France, à cette date où je filme cette vidéo, en pause de cours. Donc il n'y a plus cours pour le moment. Alors où je vous parle, on est le vendredi 4, vendredi 15, 13, vendredi 13 mars. Et du coup là on est l'après-midi, il est presque 16h, enfin il doit être 15h30, quelque chose comme ça. Et du coup je vais vous emmener pour le restant de ma journée et vous expliquer également ce que j'ai prévu de faire au niveau de l'organisation. Je vais m'installer juste pour vous expliquer un peu du coup déjà voilà la journée, etc. Alors comme je vous le disais, il est 15h30 à peu près, je sais pas exactement quelle heure il est, mais il est... Oui c'est ça, 15h22 et j'ai conduite à 17h30, donc voilà je vais minimiser un maximum les déplacements. Je vais beaucoup, de toute façon je vous l'expliquerai, etc. Travailler de la maison, etc. comme tout le monde. J'ai pas encore exactement toutes les consignes du lycée, ils vont nous les transmettre au fur et à mesure des jours qui vont arriver. Mais voilà, mais du coup pour le moment je vais essayer de vous faire presque un vlog par jour ou un vlog tous les 2 jours. Pour voilà que vous ayez presque des daily vlogs tout le temps, parce que bah comme moi vous allez être à la maison, il y aura bah du coup un peu d'ennui, je pense. Moi j'ai pas envie de m'ennuyer, donc je me suis dit comme ça je pourrais vous partager un peu mon quotidien, j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc là je sors de la douche, je me suis préparée, du coup j'ai conduite, je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo où j'en suis au niveau de code, permis, etc. parce qu'il s'en est passé pendant s'en est passé des choses pendant les mois où j'étais pas sur YouTube. Du coup voilà voilà du coup là faut d'abord que, avant que j'y aille, parce que du coup j'ai un bus dans 1h30, avant que j'y aille je vais filmer une vidéo bah voilà de retour sur YouTube, un peu donner des infos, donner des nouvelles, et voilà pour ça. Donc je vais vous laisser pour le moment, je vous retrouverai tout à l'heure quand il y aura d'autres choses à vous montrer. Je vais aussi filmer avec mon téléphone, je pense, quand je sortirai dehors là pour aller à mon heure de conduite, pour pas avoir à me trimballer la caméra tout simplement. Voilà voilà, du coup je vais filmer une vidéo et je vous retrouve après. Bon, je me prête à filmer, mais en fait c'est tellement le bazar qu'il va falloir que je mange tout. J'ai pas été chez moi pendant une semaine parce que bah, j'étais chez mon copain et du coup bah même ma chambre était un peu délaissée et il y a du bazar. Mais regardez sur mon lit les habits et tout, j'ai reçu des habits, j'ai plein de choses à ranger, donc je vais déjà ranger tout ça. Laisser la caméra là pendant le temps que je range pour avoir un minimum un décor qui passe pour faire la vidéo. Et devant Pékin Express, voilà, pour rien vous cacher. Bon, et bien ma vidéo a fini d'être tournée, c'est bon de ce point. Ouh là là, j'ai encore le trépied, donc je fais des trucs un peu fous. Du coup ça c'est fait, il va falloir que je la monte, mais je pense en fait avoir le temps de la monter maintenant, et si je peux je la poste ce soir, comme ça c'est fait, je vous mets ce vlog demain, comme ça bah, vous serez à jour. Je vais essayer de faire ça et peut-être en filmer une tout à l'heure quand je rentre. En fait le truc c'est que je vais rentrer tard, donc je vais plutôt filmer demain matin, en sachant que mon programme de demain matin est encore assez vague. Normalement j'avais des visites, enfin je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos, mais le truc c'est que bah ça risque de tout tomber à l'eau quoi avec le coronavirus, bah tout est un peu incertain et je vais éviter quand même de trop sortir, donc faut que je vois comment je m'organise. En tout cas je vais vous laisser là, monter la vidéo que je viens de tourner, parce que bah du coup voilà, ça vous fera une vidéo très rapidement ce soir peut-être si j'ai le temps, donc ce serait vraiment une trop bonne nouvelle. Voilà, je vous laisse et je vous dis et ben à tout à l'heure. Bon, le périple de mon retour sur YouTube commence bien puisque mon ordinateur a décidé de bugger. Il n'y a rien qui fonctionne, du coup bah nickel. Pour le moment je pense pas avoir le temps de monter le vlog avant de partir, parce que bah faut pas que je sois en retard pour ma conduite. Du coup ça s'annonce pas très très bien, en tout cas dans tous les cas je le filmerai ou je le posterai demain tôt ou ce soir tard. Voilà, je me mettrai peut-être un sondage sur YouTube, je vais voir ça. Mais en tout cas, je regarde Pékin Express et ça, c'est cool. Première fois que je regarde genre toute une saison et c'est vraiment sympa. Pékin Express, en plus, ce soir, il y a Koh Lanta. Donc, ma foi, tout va bien. Bon, j'ai pas pris ma caméra parce que voilà, elle coûte assez cher. J'ai pas envie de prendre le risque de la bimée, quoi que ce soit. Mais je vais à la conduite, donc je file. Je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire un débrief. Je finis à 19h. Voilà, voilà, bisous. La conduite, il est
20h en fait, le temps de faire les trajets et tout. Voilà, en fait, nous c'est 1h30, c'est pour ça que je vous ai filmé quand c'était l'autre fille qui conduisait. Parce qu'en fait, j'y vais 1h30 et je fais 45 minutes de conduite. Et je dois être 45 minutes avec une autre personne. Et voilà, comme ça, en fait, il fait un peu un cours pour les deux personnes, quoi. Du coup, la conduite s'est globalement bien passée. C'est juste qu'on a changé de voiture, en fait. Ils sont passés au Clio 5 là. Et c'est la première fois que je conduis depuis qu'ils ont une Clio 5. Et donc, j'ai refait des démarrages et tout. Sauf que le point de patinage, bref, il est plus haut. Donc, c'était un peu plus complexe. Mais voilà, c'est juste le temps que je m'y refasse. En plus j'ai pas fait non plus énormément de démarrages en côte, on a fait de l'autoroute et à Lyon l'autoroute c'est quelque chose quand même. Donc là encore ça allait, il y avait pas beaucoup de gens de part le confinement etc. Mais bon, on verra bien de toute façon ce que ça va donner. Du coup là je suis sur l'ordinateur, la vidéo a fini de s'exporter, je reviens au vieux logiciel et du coup je vais la mettre en ligne sur YouTube là. Essayer de la mettre pour dès que je peux, elle est pas très longue, ça devrait pas mettre beaucoup de temps à charger. Et voilà, du coup le vlog bientôt touche à sa fin. Je voulais faire du sport, je pensais rentrer vers 19h, mais non, du coup il est 20h, j'en ferai demain. En plus je fais attention parce que je suis dans une mauvaise période, du coup j'ai mal au ventre et tout, du coup j'essaie de faire gaffe. Voilà, pour c'était la petite parenthèse perso. Et du coup voilà, je vais commencer à planifier de prochaines vidéos, essayer de faire en sorte d'être assez fluide, regarder des vidéos ce soir. Et il y a Koh-Lanta, donc je vais regarder Koh-Lanta ce soir. Du coup normalement je vais vous mettre cette vidéo, enfin de toute façon il va falloir que je la monte ce soir, je vais la monter devant Koh-Lanta. Je vais vous la mettre en ligne à 10h, donc à 10h samedi, de toute façon vous verrez bien. Mais voilà, j'espère en tout cas que pour le moment ça vous plaît, je vous retrouve tout à l'heure, je vais vous montrer mon repas de ce soir, etc. Bon, j'ai pas bougé mais en fait il s'est écoulé quand même 20 minutes depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je m'apprêtais à aller manger mais je me suis dit voilà que j'allais mettre la vidéo en planifié, donc elle sort là à 20h30, il est 20h12. Du coup là je vais en fait tout à l'heure j'ai eu le temps, vu que mon ordinateur buguait, j'en ai filmé une autre de vidéo que je vais essayer de monter tout à l'heure ce soir avec ce vlog pour le mettre à la suite du vlog du coup que vous êtes en train de regarder, donc le lendemain de ce vlog là. Et voilà, du coup là la vidéo elle est en train de se... d'attendre, et dans 18 minutes ça sera publié, donc je vais pouvoir répondre à tous les commentaires, j'ai trop hâte. Je vais vous montrer à quoi ressemble la miniature quand même. Voilà, donc si vous le savez pas, c'est la vidéo qui est sortie hier, le lien sera, enfin là, le petit truc i là, comme ça vous pourrez aller la voir. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, enfin pour moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, poster une vidéo, répondre à des commentaires, que ça va me faire trop bizarre, mais j'ai vraiment hâte de recommencer tout ça. Du coup voilà, là je vais aller manger le temps que la vidéo sorte et je vous retrouve après. Au même endroit, mais entre temps j'ai mangé, je vous ai filmé vite fait ce que j'ai mangé. J'ai mangé des pâtes et une tarte. Du coup en fait tout à l'heure j'ai juste mis sur mon lit pour avoir le temps de filmer, du coup c'est encore le bazar, il y a tout le truc, il y a aussi mon trépied etc. Donc là pour le coup je vais aller me doucher et après je vais ranger en regardant Koh-Lanta, donc je vais vous remettre quelques clips, mais là ça va être la dernière fois que je vous parle comme ça face cam, et je vais monter ce vlog pour qu'il sorte demain matin. Je vais également répondre aux commentaires etc. De la vidéo que je viens de publier. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure. Bon, toujours devant Koh-Lanta, voici l'étendue des dégâts avant. Et je vais vous montrer une fois que j'aurai tout rangé, parce que là, vraiment, mon lit, genre, je peux pas dormir. Voilà, je vous rejoins, enfin, je vous retrouve juste après, une fois que ce sera tout fait. Bon, ça y est, on peut considérer que c'est tout rangé, c'est à peu près propre. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir et je vous dis à demain.